s'entraîne 4 fois par semaine. Et donc du coup, sur l'eau, on fait à chaque fois 2h30 à 3h. Donc 4 fois par semaine, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'heures de navigation à l'année. Là, sur Foss, ils ont 13 nœuds actuellement, et sur Carros. Nord-ouest. Il y a fort sur Perpignan. Ouais. Je me demandais savoir si ça se décalait un peu ou pas. Ah, vu la prévision, ça, comme ça revient sur la gauche, ouais. Je ne pense pas que ça se décalera. Ouais, ça se décalera pas sur l'est. Ça va passer sur l'est. Ce qui est prévu, c'est du petit temps. Alors après, on sait qu'en Méditerranée, tout évolue très vite. Donc je vais voir au jour le jour. Je suis preneur de toutes les conditions. Donc, Mon adversaire principal, c'est un Danois qui a été au jeu à Londres. Donc, par contre, qui est en reprise, lui, qui n'a pas fait l'étape de la Coupe du Monde de Palma. Donc j'attends de voir un peu où il en est. C'est un peu la surprise. Non, mais je fais pas la course par rapport à lui. Fais ta course, mais après, on va avoir un œil dessus. C'est parti de mon club, bien sûr, en étant échauffé, c'est mon favori. Mais bon, je dirais que le meilleur gagne, mais je pense qu'il travaille ardemment pour... Et il mériterait quand même un podium. C'est un club qui s'investit beaucoup sur ses coureurs. Ils ont fait le championnat du monde de J80, ils ont fait le championnat du monde de 40. Ils mettent beaucoup d'investissement maintenant sur le dériveur. Et la dynamique, elle est vraiment présente. En principe, je peux gagner, oui. Si je navigue correctement, je devrais gagner. Bah, j'aimerais bien gagner pour le club.